Désolé pour le retard, je pensais pas qu'il était tard. Comme la grenouille. Drôle. Ouais, je crois qu'on est déjà à une demi-heure. Chaque année, le jour d'Halloween, mais exceptionnellement le jour d'Halloween, le voisin d'Hortense a la coupée du bois. Et cette fois-là, mais juste cette fois, il entendit du bruit derrière lui. Alors, il se retourna, mais d'un coup, mais ne vit rien. Après, il continua. Mais il vit une ombre derrière lui. Mais une ombre avec un couteau. Il commença à flipper sa race. Il voyait des ombres partout, des couteaux partout. Et un jour, dans ses rêves, il rêvait qu'il était mort tranché. Mort tranché avec la gorge tranchée. Mais tellement terrifié qu'il se tua lui-même. En se pendant. C'est quoi ? Attention, mon voisin, il est con, ce type. En plus, il est roux, quoi. Ah ouais, il est trop laid. Ah bah oui, il est pas mal. Hein. C'est quand même bizarre, je vais aller voir. En plus, il pue, je me suis... Ah ouais, ah, ça, vous aussi. Josh, il est parti depuis un quart d'heure. C'est pas grave. Mais oui, mais enfin, je sais pas, on va pas le laisser tout seul. Ça se trouve, il s'est paumé, je sais pas où il est allé. Oui, non, c'est vraiment bizarre. Je vais y aller. Tu parles à l'ange, s'il te plaît, parce que je suis pas trop d'accord. Merci. Qui m'accompagne ?
Marie-Élise. Non mais il y a d'autres maîtres chauffés, ok? Tu nous ferais bien quelque chose, Hortense m'avait sorti. Ok hein. Ouais bon, je vais les appeler hein. Ouais. Wesh les gars, il y a du cacao. Ah bah voilà, c'était une blague, je l'avais dit. Ouais. Mais non, c'est la moto d'Hortense. Je m'en fous, on sait même pas si elle est toujours en vie. Mais tu sais même pas conduire. On s'en fout. Mais on doit rester ensemble. Présent, il faut aller vite chercher Victoria, si elle est toujours en vie. C'est toi qui as fermé la porte. J'ai bien fait. Oh putain, merde. Victoria, Victoria. Non, putain. Ok, bon, on va choisir. Elle est verte? Oui. Attends, j'ai de l'enfer. Attends! Oh. Putain, cours! Cours! Je veux te dire quelque chose. Je sais.